lève le canon, vise et tire. Ils approchent. Attends. Tu avais l'air bien reposé après ta sieste cet après-midi. Ça t'aide un peu? Qu'est-ce qui m'aide? De dormir pour ta mémoire. Je comprends rien à ce que tu racontes. Je t'ai fait venir parce que tu disais que ça te pesait de tenir la ferme. Jamais je ne dirais une ânerie pareille. Tu l'as dit, papa! Il est docteur en quoi, ce petit ami? D'abord, c'est mon mari. Ensuite, il n'est pas docteur, mais infirmier, et tu le sais. Il paraît que t'es allé te baigner. Première baignade dans l'océan Pacifique. Je sais ce que tu mijotes. Tu vas essayer d'en profiter parce que tu penses que j'ai plus toute ma tête. Ouais, voilà le gâteau. Qui crois-tu qui a payé pour cette maison, hein? Est-ce tu peux me finir? Ouais. Ta mère m'a bien mis en garde cette nuit. Papa, tu sais que maman n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe? Ils t'ont cloué au sol? Quand ils se sont rendus compte que t'étais pas le vrai mâle qu'ils pensaient avoir engagé. Et là, t'es rien d'autre qu'une femme au foyer. Tu crois que tu peux sortir les pires vacheries? Ça suffit, tu vois où est la porte? Prends-la! T'entends? Deux cœurs. Le ciel veut pas de lui et l'enfer le met à la porte.